Salut, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série de vidéos, puisque on est parti sur un challenge. On fait avec ce qu'on a et avec la petite argent qui nous reste, enfin ce qui nous reste en argent dans notre budget alimentation du mois. C'est pas l'argent qui nous reste sur le compte, mais c'est l'argent qui nous reste dans notre budget alimentation. Alors en fait, même plus précisément, c'est l'argent qui nous restait d'un budget d'hiver, mais qu'on va mettre dans le budget alimentation, parce que voilà, sinon, enfin sinon on va pas réussir à clôturer le mois. Bah en fait si, voilà, mais c'est pour le défi quoi. Voilà, donc du coup 22 quelque chose je crois, mais je vais recalculer parce que je crois que j'ai un petit peu de sous aussi là-bas. Bon, je vais pas prendre les petits centimes que j'ai, mais voilà, donc dans cette série de vidéos, vous avez l'habitude, on va cuisiner avec ce qu'on a, mais je ne vais pas faire comme le dernier défi où quasiment tous les jours, en repartant du bureau, j'allais acheter un petit truc qui manquait. Non, là, voilà, là vraiment, Clémence, stricte, voilà, carré, Clémence, carré, voilà, comme ça. Hein. Donc du coup, ben, si vous ne connaissez pas le principe de ces super vidéos, c'est... Donc, on cuisine avec ce qu'on a. Donc, on trouve des idées pour cuisiner ce qu'on a. On fait du mieux qu'on peut. On décuple notre imagination. On y met notre cœur, notre énergie. Ça motive les troupes. Donc, c'est toujours chouette pour commencer. Je vais déjà calculer combien j'ai et ce qu'il manque à la maison de façon à finir correctement. Donc, nous, la fin du mois, c'est pas le 30. La fin du mois, c'est plutôt aux environs du 22-23. Voilà, c'est pour ça que... Voilà, 22 euros aidés, vous inquiétez pas, ça ira bien. On a un peu des choses d'avance, mais on n'a pas beaucoup de choses. Hein. Là, le stock que j'ai pu avoir il y a quelques mois, c'est plus le cas. Enfin bref, je vais vous montrer ça après. Mais donc, pour l'instant, on va... je vais compter mes sous. Déjà commencer par là, je vais compter mes sous. Bon, en vrai, je suis trop contente parce que j'avais un billet de 5 dans ma petite cagnotte là de petites pièces. Donc, du coup, je suis super contente. Puis, j'avais des petites pièces aussi. Donc, du coup, 25, 27, 28. 28, 50. Alors, attendez. Nanana. Oui, 28, 50. Et j'ai 11 euros quelque chose sur ma carte Leclerc. Alors ça, c'est... Moi, je cagnotte pas toute l'année. En fait, j'utilise régulièrement ma cagnotte. Mais ça, c'est un avoir que j'ai eu au drive parce que j'avais un produit manquant. Donc, soit tu le gardes en avoir sur ton prochain drive, soit tu le reportes sur ta carte Leclerc, soit tu le reportes sur ta carte bancaire. Et moi, je l'ai reporté sur ma carte Leclerc. Donc, j'ai 28 euros ici et 28 tout pile. Et 11 euros, je crois que c'est 11,52 € à Leclerc, ce qui fait que ben voilà, j'ai 39 balles quoi pour aller faire des courses. Ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc je viens de revérifier, j'ai 11,12 € sur ma carte Leclerc, du coup j'ai 39,12 € pour aller faire des courses. Voilà. Après, c'est des petites courses d'appoint que je vais faire. Oui et non, parce que il me manque quand même pas mal de fruits et légumes frais. Donc ça, il va falloir que j'en rachète. Et puis, il y a des petites choses qu'il faut que je rachète par rapport à nos habitudes alimentaires et tout ça. Alors, au congèle, je crois que j'ai pas de viande. Au congèle, je crois qu'on avait tout terminé. Il doit rester du poisson, ce qui est déjà une bonne chose. Mais voilà, d'ici... le 21, 22, ça fait ouais, 8 jours même. Voilà. Je vais choisir consciencieusement et intelligemment les produits que je vais acheter. Voilà, bon, je vous dis tout de suite, je vais m'arrêter chez le producteur de fraises pour acheter une barquette de fraises. C'est 4,10 € la barquette de fraises et c'est non négociable. Me dites pas c'est cher, peut-être c'est cher, mais c'est chez le producteur et elles sont super bonnes. Et moi, j'ai deux fraises qui sont en train de rougir là, actuellement au jardin, donc soyez pas trop jaloux. mais pour l'instant, voilà, je vais acheter encore des fraises parce qu'on a prévu ça, parce que faut quand même pas lésiner. Enfin, faut pas lésiner, faut pas oublier les petits plaisirs parce que c'est ce qui fait qu'on tient en fait dans la vie. Voilà, alors il y a des mois où on peut pas se faire beaucoup de petits plaisirs, il y a des mois où on peut pas s'en faire du tout, mais voilà, faut quand même pas les oublier. Alors, un petit plaisir, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une barquette de fraises,
voilà, qui va être divisé en 5 pour 5 avec un petit peu de chantilly, un petit peu de chocolat. Enfin, vous voyez bien, quoi, le truc bien, quoi. Donc voilà. Du coup, voilà. On y va, c'est parti. J'aurais voulu prendre un pack de glace à la fraise, à la vanille, mais je ne vais pas avoir assez d'argent. Donc, bah, c'est tout. Ben, vous voyez, en fait, même les fraises à Leclerc, elles sont plus chères que chez le producteur. Chez le producteur, c'est aussi des charlottes. Et c'est des barquettes de 500 grammes, c'est 4,10 €. Donc, c'est plus cher à Leclerc. Donc là, le concombre, il est à 1,29 €. Je ne vais pas l'acheter du tout. C'est trop cher pour mon budget, mais je vais prendre des tomates. Bon, je trouve pas le prix au litre. Ah, c'est peut-être ça. Ça. C'est peut-être ça, mais je crois qu'en brique, c'est moins cher. Moi, je trouve pas le prix. C'est pas le bon prix. Le rayon, il est dégueu. Bon, je devais prendre, bah, je suis dans le rayon 20, mais je vais pas en acheter. Je devais prendre des tomates concassées, mais je vais pas avoir assez pour les acheter. Donc, bah, tant pis. Et puis, je pourrais pas acheter les fraises non plus, je vais pas avoir assez, mais c'est pas grave. J'ai quand même, voilà, j'ai quand même acheté pas mal de viande parce que bon, c'est quand même pour plusieurs jours et pour 5 personnes. Donc voilà, je pense que j'ai fait les bons choix. Ouais, recoucou. Donc j'en ai pour 37, je sais plus tout à fait combien. Et du coup, je lui dis, bah, je voudrais utiliser ma cagnotte. Et donc elle me dit, bah, vous avez 11 euros sur votre cagnotte et 7 euros quelque chose sur votre carte. Enfin, les bons d'achat plutôt. Et donc vous avez 11,12 € de bons d'achat et 7 euros nanana, avec les points. Et du coup, je lui dis, non, mais je prends juste les bons d'achat sur la cagnotte, quoi, pas les points. Et en fait, je me suis dit, je le garde pour plus tard. Mais en fait, j'aurais dû les utiliser. Comme ça, j'aurais pu aller acheter des fraises. Je suis un peu bête. Je n'ai pas de quoi acheter les fraises. Je suis un peu deg parce que j'avais promis aux enfants. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une entorse au règlement? Ce ne serait pas la première fois. Hein. J'ai 47 centimes dans mon vide-poche de la voiture, on peut aller loin. Bon, allez, je fais une petite entorse. Je vais payer avec ma carte. Et puis voilà, tout le monde, c'est moi le chef ici. Donc voilà, je vais aller chercher des fraises. Ah bah ça commence bien ce défi, tiens, moi je te le dis. Non, après c'est tout. Après je retourne plus en course. Sauf, si mes chats n'ont plus à manger. Ou si il n'y a plus rien du tout à manger à la maison et qu'on menace de mourir de faim, quoi. Hein. Sinon, voilà. Il fait lourd, hein. Il fait super lourd, messieurs, dames.
Voilà, retour de course, 38,56 €. J'ai pris 3 kilos. Ouais, 3 kilos de pommes. Ça revenait à 1,55 € le kilo. C'est parfait pour croquer comme ça, faire au four un crumble, en gâteau, en tarte, ça sera bien. J'ai pris 4 bananes, ce qu'il y avait de. Enfin, ce qui me coûterait moins cher sur le moment. Des petits kiris comme ça. Des saucisses, j'ai pris des carottes, des tomates, voilà, du poulet, c'était 9,70 € je crois, du chorizo, du jambon cru. Alors le chorizo, c'est parce que j'ai deux recettes en tête que je vais faire. D'ailleurs, je me demande si je ne les ai pas déjà faites dans des défis comme ça, on verra bien. J'ai pris une bouteille de lait, des yaourts, comme ça je pourrais faire des gâteaux yaourts, mais je vais faire une fournée de yaourts aussi, du beurre, de la Sainte-Maure, donc c'est de la grosse bûche familiale, enfin, bûche de chèvre, un fromage de chèvre quoi. J'ai pris ça du coup pour faire la chantilly pour aller avec les fraises, et j'ai pris un lot de 2 pâtes feuilletées. Donc ce que je vous montrais là dans les images précédentes, c'est que c'est exactement le même prix au kilo, enfin à l'unité, c'est exactement le même prix que vous preniez 2 paquets de 1 ou un lot de 2, c'est exactement le même prix. Et donc la crème fleurette, va falloir que je la recycle parce que j'ai pas acheté les fraises parce que je suis passée devant et j'étais à 50 en fait. Enfin, j'étais dans le village à 50 et je pouvais pas piler pour aller charger mes fraises. Du coup, j'ai tracé. Je me suis dit, c'est tout, c'est pour une prochaine fois. Donc, pour l'instant, mon budget est respecté. Et du coup, j'ai vu que j'avais cagnoté 86 centimes sur ma carte. Mais ça, c'est parce que j'ai activé sur mon espace Leclerc les 10% sur le rayon fruits et légumes. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'ai eu... que j'ai eu ça, 10 ou 15%, je ne sais plus. Enfin, voilà. Donc, pour tout ça, je range ça au frigo et je vous montre ce que j'ai du coup dans mon frigo, dans le garde-manger fruits et légumes et dans mon garage. Alors, pour le frigo, le voici. Donc, on a les 2 pâtes feuilletées, la salade. Il reste quelques fraises et des tomates cerises. Donc, on a la crème fleurette ici. De la crème fraîche, des petits suisses, des fromages blancs, des gnocchis jambon fromage. Et mon mari, il avait pris ça la dernière fois, mais c'est bon jusqu'à quand ça? C'est bon jusqu'à il y a plusieurs jours. Et puis derrière, il y a les girasolis tomates mozzarella. Voilà, une grande histoire d'amour, les girasolis, pour moi. Ça a été un très très grand réconfort lors de ma retraite spirituelle, entre guillemets. Du fromage râpé, mais il est pas entamé. Voilà, donc ça c'est le chef que j'ai acheté, le fromage là. On a le parmesan, il reste un petit peu de mozzarella, là, le truc blanc, là, ça c'est de la mozzarella. Du cheddar en cube, ça c'est les nuggets pour les garçons le midi. Les saucisses blanches que j'avais prises, mais finalement on les a pas mangées. Le poulet, les knackis, la charcuterie, ça c'est du saucisson qu'il reste. Des lardons, c'est pas entamé non plus ça, mais c'est bon jusqu'à quand? 31 mai, donc c'est bon. On a de la poitrine qui est bonne jusqu'au 13 mai, oui, il faut pas tarder. Ici c'est les carottes, j'ai pris 4 carottes, pour être sûr de pas être trop embêtée. Et alors, ensuite le congèle. En fait, c'est-à-dire que le congèle, j'ai un peu la flemme de vous montrer. Il y a quelques glaces comme ça, des fusées. Là-dedans, c'est du pain, hein, c'est des baguettes. Et il y a du poisson comme ça. Aussi. Ça, c'est ce que j'achète pour les garçons quand ils sont le midi tout seuls, en autonomie. Il y a du coulis de tomates. Eh ben, je voulais acheter des tomates concassées, mais j'ai encore du coulis de tomates, moi. Il y a des pois chiches, il y a de la baguette. Il y a quoi? De la courgette, il y a de la quetch. J'ai un peu honte, hein, mais je vous montre quand même. Ah oui, il y a les dos de cabillaud aussi. Et ça, en plus, j'ai déjà dit qui est-ce qui garde des dos de cabillaud dans son congèle. Faut les manger, c'est tellement bon. Il y a 2 steaks là-bas. Spécial burger, il y a du kimchi aussi. Je pense pas en sortir. Il est vraiment bon en plus, ce kimchi-là. Faut que je pense en sortir.
ici, ici on a encore du pain. Avec, il y a aussi du kimchi. J'avais acheté plein de kimchi. Je l'avais eu chez Noz. Et comme il était super bon, j'avais été en racheter. Bien évidemment, je n'y pense plus. Et ici, il y a encore du kimchi. La blague. Donc, il y a du kimchi, de la julienne de légumes. Je crois qu'il y a des petits pois. Ouais, garden peas. Et normalement, il y a des haricots verts. Ouais, haricots verts. Et ce que vous voyez ici, c'est pareil, c'est du coulis de tomates avec les tomates du jardin l'année dernière. Et ici, il y a des frites. Et ça, c'est des petits potato pops. C'est ce que je prends, vous savez, pour les soirs où il y a la flemme. Hop, voilà. Et donc, ici, c'est notre petite étagère à réserve. Donc, bon, il y a quand même quelques trucs, mais il n'y en a pas énormément non plus. Ce qu'on a quand même pas mal, c'est tout ce qui est légumineuse. Voilà, ça, c'est vrai qu'on en a pas mal. Voilà, donc on a des terrines, quelques boîtes de conserve de poisson, maquereau et sardines. J'en ai recommandé d'ailleurs. J'ai fait une commande à la fourche pour des produits de base, donc ça va venir rempoter un peu. On a des haricots rouges ici, du maïs, là, derrière, fond d'artichaut et haricots mongo, les haricots blancs à la tomate. Ça c'est toujours une bonne idée, ça. Les haricots blancs à la tomate comme ça, c'est vraiment très bon. Et puis ça nourrit bien. Des petites asperges. Donc des asperges miniatures. On a des flageolets. Je sais pas d'où ça vient, ça. Peut-être que je l'avais commandé sur... comment ? Le Club Leader Price. Mais c'est fermé, là. Enfin, je crois. flageolets verts. Ici, sinon je voudrais, c'est des haricots blancs à la tomate. Ici, c'est cornichons, olives vertes et olives noires. Ici, tout ce qui est préparation, donc tapenade, du pesto, de la crème de... de la crème de d'aubergine. Non, crème d'artichaut. Voilà, je crois que c'est du caviar d'aubergine. Ouais, caviar d'aubergine. Et ça, c'est de la sauce tikka masala. Enfin, voilà, des petits trucs cuisinés que j'ai eu chez Omi. Les produits sont très bien, d'ailleurs. Un peu cher, les produits chez Omi. Mais bon, ils sont quand même bien préparés. C'est... C'est une noble cause, on va dire. Mais bon, les nobles causes... coûte toujours de l'argent face aux gros industriels qui produisent des centaines de milliers de tonnes de produits, hein, forcément. La tchatchouka aussi, j'en ai deux. Ça, c'est pratique, hein. Hop, un soir, avec hop, tu mets des œufs dessus, l'histoire est réglée. On a de la sauce poivron aubergine. Ça fait longtemps que je l'ai celle-ci, hein, mais je sais pas, je pense pas la sortir. Ici, on a de la sauce tomate bolognaise. Donc ça vient de chez La Fourche, mais c'est pas une marque, c'est pas la marque La Fourche, hein. Voilà, la marque La Fourche, c'est ça. Ça, du coup, le thym, ça vient de chez La Fourche. Ici, on a des sauces tomates Mama Natour. Mama Natour. Mama Natour. Mama Natour. Sauce tomate Mama Natour. Ça m'a été offert par une agence de pub pour qui j'ai bossé l'année dernière. J'ai reçu ça à Noël et franchement elles sont super bonnes, c'est une marque allemande. Elles sont vraiment super bonnes. J'ai un petit bout de double concentré de tomate. Ici j'ai encore de la sauce tomate puttanesca. Voilà, du sirop d'érable, du miel, la crème de marron, des confitures que ma copine nous avait données. Voilà, donc là chez La Fourche, j'ai recommandé des tomates concassées et des tomates pelées parce que j'en ai plus et j'aime vraiment quand même bien en avoir, mais il faut que je termine les coulis de tomates que je congèle avant. Voilà, ici on a 2 kilos de pâtes, des conchigli et des conchigli. Donc ça vient aussi de chez La Fourche. Elles sont vraiment très bonnes. C'est 1,99€ le kilo. Et franchement, ça défie toute concurrence pour des pâtes bio. Et elles sont vraiment exceptionnelles. Et elles tiennent bien la cuisson. C'est 6-7 minutes, mais tu peux les faire cuire un petit peu plus longtemps parce que tu es parti faire autre chose. Tu n'auras pas de la charpie comme certaines autres pâtes. Donc c'est chouette. On a 2 paquets de flocons d'avoine. Des haricots rouges en bocaux. Du chocolat noir pour faire des gâteaux au chocolat. Donc, il faut toujours en avoir beaucoup. ensuite, des oignons frits. J'en trouve pas tout le temps. Donc, quand j'en trouve, j'en achète d'avance parce que j'aime bien en mettre un peu partout.
Du riz rond à dessert, donc avec ça, je fais du riz vinaigré, des onigiri et tout ça. C'est le riz qui coûte le moins cher en fait, et ça marche très bien pour faire des onigiri. C'est juste que, bah, en fait, c'est un peu de, vous voyez, c'est pas du riz exactement comme pour faire des sushis, mais c'est très bien. Hein. Ici, on a de la polenta, des protéines de pois, donc en petits trucs comme ça, donc très bien pour remplacer la viande hachée dans les lasagnes, enfin, ou dans la bolognaise. Excellentissime si vous assaisonnez bien votre bolognaise. La plupart des gens, ils n'y verront que du feu, je vous assure. Ici, on a des médaillons de protéines de soja. Pareil, c'est excellent aussi. Bah, ça, pour faire des genres de médaillons de poulet à la crème aux champignons, ça marche très, très bien. Enfin, c'est super bon, en fait. Je dis cuisiner comme du poulet, mais parce que voilà. Mais en fait, vous pouvez le cuisiner voilà, en le réhydratant bien, en le faisant bien revenir avec de l'huile, des oignons, des bons champignons, de la crème fraîche. C'est super bon, quoi. Franchement, moi, bon, nous, on n'est pas végétarien ni vegan. On mange moins de viande pour question de budget avant tout. Mais ça, c'est vraiment super bon aussi. Hein. Des pois cassés. De l'arôme magie, avec modération, parce que ça, c'est quand même pas ouf, la compo. Hein. De la sauce barbecue. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Tout est à consommer avec modération. De l'huile d'olive vierge extra. De la sauce... Alors, c'est pas de la... C'est de la sauce soja pour sushi et sashimi. Mais je m'en sers comme sauce soja. C'est bien. Ça, c'est les trucs d'avant. Donc, du poivre, de la moutarde. Ça, c'est des tomates séchées à l'huile. C'est très bien. Ça, c'est de la sauce sriracha. Pique beaucoup, et ça, c'est un mélange d'aromates pour le barbecue. Et j'appelle ça un mélange à grillade, c'est nickel. Des pois chiches, des haricots rouges, des haricots noirs, de la chapelure. Voilà, donc ça, c'est pour les chatounes. Donc là, j'ai ce qu'il faut parce que j'ai encore une boîte pour finir le mois, donc ce sera suffisant. J'ai deux chats actuellement, et je viens d'entamer le dernier paquet de croquettes, donc voilà. J'ai un budget d'environ 40-45 € par mois pour les chats. Et là, du coup, la litière, j'ai 3 paquets de litière d'avance. Il n'y a que Tricot qui fait dans la litière actuellement, parce que sinon, Loki, dès qu'il fait beau, elle va chier dans mes plates-bandes, si vous voulez bien me passer l'expression. Mais c'est littéralement le cas. Je ne sais même pas comment mes vivaces sont encore vivantes. Après, elles ont été très, très bien amendées par le... Bref, vous m'avez compris. Mes fleurs sont très belles. Mais il a quand même fallu que je les stoppe un peu parce qu'elles me déracinent et tout. Ensuite, ici, c'est les petits trucs. Donc, ici, on a du lait à la fraise, comme ça. Alors, c'est dingue parce que Margot, elle m'en réclame pas souvent des trucs comme ça. Genre, peut-être 2-3 fois dans l'année. Et elle en boit un. Ensuite, le deuxième, elle ne le boit pas entier. Et ensuite, cela, il reste super longtemps. Donc, bon, voilà. Ça, c'est des gourdes de compote que j'avais acheté chez La Fourche. Donc, les pommes ont bien plu. Par contre, pommes, pêches, abricots, eh ben, personne n'aime. Donc, bon, je finirai par les manger parce que Margot m'a dit qu'elle n'aimait pas. Voilà. Et puis, ça, ici, c'est des petits pots de compote à la pomme. Cela, Valentin les aime bien. Et en dessous, on a des petits orangina, de la cassonade, la farine. Ça, c'est de la farine qui vient chez La Fourche. Je l'achète en 2,5 kg. Voilà, pour l'instant, je fais la mariole. Je la laisse là parce que j'ai pas de bête dans mon garage. Après, on est au sortir. Enfin, on est au printemps, mais je veux dire, à l'approche de l'hiver. C'est peut-être un petit peu risqué. Bon, après, avec deux chats, c'est quand même déjà beaucoup moins risqué, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, là, je fais un peu la mariole. Mais sinon, tout le reste, moi, je mets ça dans des bocaux dans ma cuisine. Mais voilà, je stocke ça comme ça. Ici, on a du lait végétal. Ouais, moi, je dis du lait végétal. OK, c'est ma chaîne, je dis comme je veux. Et celui-ci, il est très bien. Mais j'en trouve plus à Leclerc. J'en trouvais à Leclerc pendant un moment. Moi, c'était plus de 2 balles le litre. Et celui-là, je l'ai trouvé chez Noz. Et je l'ai payé... comment je l'ai payé? Ah, j'ai retiré l'étiquette. 1,19 €, je crois. Donc, voilà. Il est toujours moins cher que 2 €. Et celui-là, il est très, très bien, quoi. Et niveau composition,
Non, pas niveau texture, ça ressemble vraiment à du lait. Et j'aime bien aussi, parce que comme mon bidou, il est un petit peu en vrac, je vais plutôt prendre ça plutôt que ça. Bon, ça, c'est du lait sans lactose, parce que ce soit mes enfants ou moi, quand on boit une boisson, c'est avec du lait sans lactose. Le lait entier que j'ai acheté tout à l'heure, c'est pour les yaourts. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on a dans le garage. Du coup, alors ici, on a du maïs sous vide, les tomates. Ici, c'est tout ce qui est pour faire des petits sandwichs, donc des vases à fibres, des galettes de blé, des wraps, des bagels. J'avais acheté ça chez Aldi, je vous avais dit, d'ailleurs, dans une des dernières vidéos, je vous l'avais montré. Ils sont bons, en fait, je les passe un petit peu au four avant et c'est vraiment bien. On a du pain de mie ici. Ça, c'est des pommes qu'il restait. Ça, c'est les pommes que j'ai achetées. Ça a déjà été entamé, d'ailleurs. Hop, et on a des oignons en dessous. Mais j'en ai aussi au jardin, donc ça, c'est cool. Et ici, c'est la nourriture pour les chats. Donc, les sachets et les croquettes. Voilà. Ici, tac. Ici, c'est tout ce qui est pour la pâtisserie. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a de la noix de cajou. Et ce que vous voyez là dans le fond, c'est pas parce que c'est sale, c'est des clous de girofle. Ça éloigne des mites parce que vous savez, j'ai eu une attaque de mites. Donc du coup, voilà. Et j'ai mis aussi des stickers comme ça. Alors ça, les stickers, c'est pas pour s'en débarrasser, c'est juste pour repérer si vous avez des mites ou pas. Voilà. Donc ça. Bien, donc comment reconnaître, comment savoir si vous avez des mites en fait dans vos bocaux et tout ça. En fait, vous ouvrez vos bocaux, par exemple comme ça. Je vous déconseille d'utiliser des bocaux comme ça pour conserver, parce que les mites passent, expérience vécue. Je vais essayer de vous l'ouvrir, mais je ne vais pas y arriver. Bien évidemment. Hop là, voilà, donc vous ouvrez et vous regardez le couvercle là. Donc là, soit vous allez voir des petits vers, soit vous allez voir des genres de petits fils. Donc si quand vous prenez quelque chose, ça aime bien tout ce qui est... ça aime bien un peu tout. On va pas se le cacher. Tout ce qui est céréales et noix, noisettes, amandes, tout ça, ça aime bien. Et ça vous fait comme des petits fils de poussière, là, voyez. Ça, c'est signe de présence... de mythe, voilà, qu'il y a de la mythe dans le coin. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez reconnaître aussi donc ce genre de piège où vous avez petite pétule dessus. Donc les mythes, en fait, quand vous les écrasez, ça fait une sorte de poudre grise. On va réussir à s'en séparer. Ma voisine, elle a un laurier sauce immense. Je vais aller prendre une branche et je vais aller le mettre là-dedans et je vais te régler l'histoire, puis ça. Parce qu'on m'a dit que le laurier, c'était radical. On va voir. On m'a dit que les clous de girofle, ça marche bien aussi. Bon, là, c'est vrai que j'en ai mis un peu moins. Ça ressemble moins fort. Et l'autre, ça sent quand même beaucoup plus fort. Puis, bon, tout est dans des bocaux à joindre aussi. Donc voilà. Bon, eh bien, c'est terminé. Je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de choses à faire. Du coup, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez tous bien. Puis j'espère que, du coup, cette série de vidéos vous plaira. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et de votre budget. Vous le savez, c'est important. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut !